Bon, regardez, on a bientôt fini le jeu. Il nous reste 6 niveaux. 1, un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveaux. 7 niveaux, donc je pense que le jeu sera plié... pas aujourd'hui, mais peut-être jeudi, vendredi. Voilà. Salut Dylan. Alors, nouveau niveau. Surtout que maintenant, voilà, on est expert du jeu. Hein. Ça y est, hein. ça y est. Plus rien ne nous bloque. Même le fameux niveau 21 que tout le monde déteste, où Juice a passé 7 heures dessus hier. Ce niveau, même le niveau 21, on a passé 1h30. Voilà. C'est quoi en bas à gauche? Ça, c'est la banque. C'est ce qui fait que les joueurs qui, malheureusement, ne tryhardaient pas avant, eh bien, se retrouvent bloqués. Parce qu'en fait, si tu économises pas ton argent, eh bien, tu ne peux pas gagner le niveau. C'est quoi tout en bas à gauche, le niveau pas fait? Comment ça? Oh! Il y a un niveau pas fait ici. On l'avait pas vu. Ah, c'est dans la mage. Ah, c'est un niveau de la mage. Et bah go. Ah oui, d'accord. Ok, bah faisons-le alors. Faisons-le. Je me disais, c'est quand même bizarre que j'ai loupé ça. Voyons. Ah, c'est le pire niveau pour la difficulté? C'est le plus dur celui-là? En vrai, si c'est vraiment le plus dur, on le fera plus tard. Ou alors on s'en fout et on le fait maintenant. Bon, on le fait maintenant, vas-y. Allez, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Bon, déjà, quelle est la première vague? Comme d'habitude. C'est ce que Zerator a dit, d'accord. Plus dur que le 21? Déjà, il y a beaucoup de volants, hein, voilà. Bon, bah ça, vous savez hein, ce qu'il faut quand il y a beaucoup de volants. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des archers élites. De toute façon, on commence très souvent les games par des archers d'élite parce que ça gère à la fois les mobs de base et les volants. Maintenant, quel est le meilleur endroit pour les mettre? Alors, je pense qu'ici, de toute façon, on bloquera le chemin. Attends, mais je vois déjà un chemin qui se dessine. On pourra aller faire descendre là, puis remonter là, puis repasser par là, ok? Donc, si on fait ça, effectivement, on les fait descendre ici, pour après revenir par là, c'est totalement faisable, évidemment, eh bien, ça veut dire qu'on peut mettre, par exemple, ça en max. Ou à l'arrivée, je sais pas exactement où c'est le mieux. Peut-être à l'arrivée, parce que là, j'ai peur qu'on n'ait pas la portée. Effectivement, on aura pas la portée ici. Il y a des fermes! Oh, il y a des fermes! Alors, je pense que toutes les fermes, faut les mettre là. Mais ça veut dire que ici, il faut le archer d'élite. Ah, mais si on fait ça, on n'aura pas les fermes tout de suite. Ok. Il y a les fermes. Les fermes, c'est quoi? C'est ça, les fermes. En gros, ce sont des bâtiments qui... Enfin, voilà, ce sont des cases de terre qui peuvent rapporter de l'argent. Je pense que les fermes, à terme, ça sera comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est le début, donc on pourra pas en mettre beaucoup... Même quasiment pas en fait, parce que ça dépend comment on va réussir à défendre contre les volants. Je sais pas si j'ai besoin de... Est-ce que les niveaux 3 ça suffira? Et puis même, ils me donneront combien d'argent pour après faire des fermes? Je pense pas pouvoir tous les tuer. Hein. Ouais non, ils passent bien trop loin. Après, ils ont l'air de passer pas mal en dessous. Je pense qu'ici je pourrais peut-être tous les atteindre si je mets les archers élite en bas. Donc on va faire un truc comme ça. Puis ensuite.
Donc tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Limite là, il passe. On peut les mettre là. On peut les mettre là, les archers élites. J'ai bien réfléchi. Salut Zerko, salut Chocomilka, merci Dokju pour les 32 mois, merci Benji pour le 20e mois de Prime. Merci Alissa aussi pour les 16 mois. Combien de fermes je vais pouvoir placer? Attends, mais même eux, on les tue, je pense. On va mettre au ralenti. Donc ça, ça coûte 15. Donc là, pour l'instant, je peux en mettre... Je peux en mettre combien, là? Je peux en mettre des masses. Hein. Je suis même pas sûr de pouvoir en mettre 4, en fait. Non, mais je tue même pas tout le monde. Putain, j'aurais 10. Attends, mais en fait, on peut pas faire les fermes et ça à la fois. J'ai mis une base en trop. Comment ça, j'ai mis une base en trop? Après, faut commencer par une petite ferme, je pense. Faut commencer par une petite ferme. Et ensuite, on agrandira au fur et à mesure. Non, regardez, on n'aura pas assez là. Même si on les tue. Alors là, on va même pas les tuer parce qu'il faudrait que je les bloque, mais. En fait, ça ferait 10, donc ça ferait même pas suffisamment pour faire une ferme dès le début. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépenser moins et de quand même réussir à gérer tout ça? Mais non, mais si je les bloque là. Mais non, le pouf. En fait, il faut les faire passer par ici. Donc là, limite, les archers, on les met là. Niveau 2. On pourrait les mettre au milieu aussi. Hein. Mais je pense que là, ça sera plus facile à toucher. Là, par contre, je pense que ça touchera pas, en fait. Hein. J'ai peut-être trollé. Ouais, pareil, ça nous coûte quand même très cher. Mais il nous reste 10 de marge, qui nous permettrait de faire une ferme quand même. Ils ont pas la portée, les cons. Ils ont pas du tout la portée ni le DPS. Je pense qu'on pourra pas faire de ferme au début et c'est pas très grave. Je pense que c'est pas la fin du monde. Ouais, je pense que c'est pas la fin du monde. Tant pis, on n'en fera pas au premier tour. Salut de Dream. Mmh.
Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des fermes ? Ok, c'est un peu relou. Des chevaliers. En vrai, ça dépèse pas mal. Bon, il nous faut... Alors, peut-être pas une arbalète, mais... Quoique, une arbalète, ça ferait quand même plaise. Je pense qu'une arbalète, ça devrait passer. Mais il faut quand même qu'on ait de l'arraging. Ça coûte 60 l'arbalète, mais après, on aurait beaucoup moins de sous-sous. Je sais pas si avec un arbalétrier, ça suffira. Peut-être. Peut-être juste l'arba pour commencer. Et le Pierrot, bonjour, camomille. C'est pas très efficace, c'est pas très efficace. C'est ça le problème de cette arme là, c'est que vraiment ça fait pas grand chose quoi. L'arbalète après coûte cher. Mais l'arbalète est forte. En fait disons que... ouais. En fait ça t'es obligé de l'upgrade pour que ça soit intéressant. Alors que l'arba... que l'arba est fumé. Combien je vais pouvoir faire de ferme là? Oh merde, il passe lui! Oh no! Fallait que je rajoute un bloc de plus. C'est le nul, c'est jouer en cop ce jeu. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est du solo. C'est du solo solo. Le nœud, je te regarde depuis la maternité, je vais bientôt être papa, je voulais juste te partager, te dire que t'es le boss. OMG, l'enfant, le nouveau-né, bravo. Merde, j'ai oublié de mettre ça. J'ai oublié. Donc ça c'est bon, ça on va tous les tuer je pense. Quoi, mais il va où lui? Oh merde, il faut rajouter encore un autre. Non, c'est pas vrai. J'aurais même pas les moyens de faire des fermes. Vous connaissez un bon TD en coop? Et bah figure-toi que tout à l'heure je vais tester un TD en OP qui a du coop. Voilà. Bon, c'est un TD en 3D, mais vous verrez. Ouais, ça sera tout à l'heure. Pur opu. Ok, on va mettre au ralenti. Pour l'instant, je peux faire... zéro ferme, je crois. Ah si, je pourrais, mais il faudrait que je revende. Ok. En fait, je pourrais, mais il faudrait revendre des tours. Que je peux pas spécialement faire pendant. Ou alors, sinon, effectivement, faut que j'économise en mettant... gel plus...
Est-ce que juste avec du gel, on peut tous les tuer avec les archers? Je sais pas. Et une arbalète. Niveau 2. Pas sûr. Ouais, on les tue pas, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Peut-être qu'il faut arbalète niveau 3. Mais du coup, ça coûte 11, donc ça coûte 11 pour le niveau 2, ça fait 22. 22, donc ça fait 13. Si on veut le mettre niveau 3, en fait, ça fait plus cher au final, non? Parce que 13 x 3. Et oui, en fait, au final, on paye plus cher que l'arbalète. Pour un résultat qui est moins bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'arbalète est plus forte que gel niveau 2 et arbalète niveau 3 réunis. Donc on a tellement pas le choix. Ça qui est fou. Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le début? Parce que là, il y a trop de trucs à couvrir. Merde, faudrait revenir à la vague 1, pardon. Nanana. Du coup, je pourrais le remonter là, tu me diras lui. Il touchera quand même. Que là, on perd. Ok, si je le décale à droite. Oui, t'es obligé de le mettre en bas en fait. Ouais. Eh ouais, t'es obligé de le mettre en bas. Tu veux le faire ici. Pas le choix. C'est vrai qu'on perd beaucoup. Non, je pense que le truc au début c'est pas le mieux parce qu'en fait si on veut faire des fermes il faudrait limite pas bloquer ici. Non mais je sais pas, je vais peut-être reprendre ce que j'avais tout à l'heure mais... Tant pis pour les fermes quoi. Il y a quand même 16 rounds. Tant pis pour les fermes au début. C'est la vie. C'est la vie. Sauf que là ils vont faire chier. Là faudrait que je les fasse passer par en bas. Que je tue pas tout le monde.
Pourquoi tu mets l'archer aussi loin de l'arrivée? Parce que, en fait, je trouve que ici c'est là où il est le mieux placé. Parce que si je le mets... Après, je pourrais le mettre là. Mais il toucherait moins. Il peut être là aussi, hein. Franchement, c'est pas déconnant non plus. En fait, soit je le mets là, soit je le mets là, mais là il touchera pas. Si je le mets là, il est trop loin et en fait on perd de la distance. En fait, moi je trouve qu'on perd de la distance en fait. C'est parce que là, tu vois, on perd tout ça. Un peu dommage. Mais oui, on gâche de la portée, donc c'est uniquement pour ça que je veux pas le mettre là-bas. Et que je veux le mettre ici parce que là on en profite au maximum. Hop, on les fait bugger. Voilà. Vague suivante. Et là, il nous faut l'arbalète. Hop là, les nulos ont fait demi-tour. Ok. Putain, il passe quand même. Même en essayant de les balader, ils passent quand même, quoi. Ouais, on va devoir... ouais, bah allez, tant pis pour les fermes à se rendre là, hein. Tant pis, tant pis. C'est la vie. Attends, mais il a pas focus le bon là. Je reconnais. Ça, il focus pas le bon. C'est le flamme vie. Il focus pas du tout le bon. Et ça m'agace. Ça m'agace. Pas idéal ça. Ouais, ça non plus. En fait, ça c'est ok parce qu'il passe plus de temps dans l'archer, mais... J'ai l'impression que c'est plus ou moins pareil. Est-ce que si je le bloque au dernier moment, c'est game? C'est lui tarter à la bière.
peine un qui passe, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il faut soit un gel en plus, soit pas grand chose à rajouter quoi. Y'a vraiment pas grand chose à rajouter. Qu'est-ce que je rajoute? Un gel en plus. Le petit gel. Mettons la balise plus haut. Bah disons que là elle est quand même... elle a quand même... Merde, j'ai oublié de... Oh no. Oublié de fermer. Je pense qu'avec le gel, ça va faire le café. Malheureusement, on n'a pas l'argent pour faire des fermes encore. Ah, bah tiens, c'est nickel ça. Bien content d'avoir mis le gel. Voilà, on peut faire des fermes là cette fois. On a combien ? Faudrait peut-être un gel niveau 2 quand même. Ah, il faut un gel niveau 2. Sinon ça ne passe pas. Ouais voilà, ils sont bien plus gelés, donc là on va tous les éliminer. Mort, 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 mort. On va tous réussir à les geler là ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah, il manque un peu de DPS peut-être. Est-ce qu'il faudrait balise? Non, balise niveau 2, c'est hors de question. Mage niveau 3, c'est hors de question. Gel à droite. Là. Ou alors, après, est-ce que... Ouais, changer le mage et la baliste. Non, je pense que c'est parfait. Non, bah en fait, regardez. Regardez, le seul truc qui nous manque, je pense que c'est juste... Il faut les balader un peu plus, ces archers. Pas les archers, je veux dire les ninjas. Enfin, j'aurais dû mettre ça ici. Ah, mais après, j'aurais pas pu les faire passer par en bas. Regardez, on les tue presque tous là, juste en rallongeant un petit peu le chemin. Donc, comme quoi. John esquive sur un tir. Si tu relances deux fois exactement la même run, le résultat peut être différent. Non, les ninjas, c'est un tir sur deux qu'ils esquivent. C'est pas une chance sur deux, c'est un tir sur deux. C'est comme ça, c'est pas aléatoire. Et surtout quand ils sont gelés, c'est zéro. Ils esquivent pas. Du tout.
On s'en est pas obligé de le placer maintenant. Allez, j'ai le niveau 2. On dépense beaucoup, ça m'embête. Parce qu'on peut pas faire de ferme. Là, je pense que je pourrais en faire une. Une ferme. Youpi! La dinguerie. Suivant. Là, on va gagner combien? On gagne de quoi faire des fermes supplémentaires quand même. Ok. Ouais, on attendait 5, 20, donc on peut faire à peu près 4 fermes supplémentaires. Donc si je vends ça. On va voir combien on peut en faire en plus. Un, deux, trois, quatre. Là, ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup. Là, je peux en placer 2, donc ça va faire 10, 10 plus 30. On peut même en faire. Attends, est-ce que je peux faire tout ça? 51. Nanana. Ça devrait suffire. Ok. Est-ce que la prochaine vague est facile? Elle rapporte combien surtout? Oula! Voilà, va falloir peut-être de l'archer d'élite 2 là. Ouais. Va falloir dépenser. Va falloir dépenser des sous malheureusement. On pourrait le mettre là aussi. On devrait le mettre là plutôt d'ailleurs. Surtout que lui va pas le toucher. Et je suis même pas sûr d'avoir besoin de faire un archer élite pour l'instant. Je pense niveau 3 ça devrait suffire. Du coup, on peut faire combien de fermes supplémentaires grâce à ça? Non, ça ne suffit pas. Ah, dommage. Ça me fait chier de dépenser 20 en plus.
c'est... ça m'embête. On peut faire combien de fermes avec ça? On peut en faire... On peut mettre, on peut revendre celle-là et la décaler ici. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça prend vie, ça prend vie. Au niveau des PS, deux archers valent moins qu'un archer niveau 2. Au niveau des PS, deux archers valent moins qu'un archer niveau 2. J'ai pas compris la question. J'aurais mis les deux archers élites un à côté de l'autre pour qu'ils bénéficient du gel pour burst des unités au sol. Non, il faut qu'ils cover... Il faut qu'ils gèrent plus de zones. Si on est exactement dans la même, ils vont un peu se perdre et pas faire les bons focus. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Pas du tout. Ah, les insectes. Oh non. Oh, le malaise. Après, je pense qu'on les passe tous. Putain! Ah! C'est parce que cette arbalète ne fonctionne pas. Ça joue à pas grand chose. Ça joue à vraiment pas grand chose. On pourrait limite mettre rien qu'au début. Ouais, en même temps, j'ai envie de faire ça. Il faut que j'économise pour finir mes fermes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça passe? Sachant que ça passe à pas grand-chose. Soit je mets... Alors, j'allais dire, je mets une catapulte. Mais bon, ça coûte cher. Fléchette au début pour gérer un peu la masse, c'est pas mal, je pense. C'est fléchette niveau 1, ça. Déplacer l'arbalète là. Peut-être que ça aurait été la solution, mais là, c'est un peu tard. Ah, il y en a un qui passe, hein. Ah, j'avoue que si l'arbalète était mieux placée... Après, non, c'est pas qu'elle est pas bien placée, parce qu'elle me servait tout à l'heure au pixel du cul. Donc on peut pas vraiment la changer de position. Bah, juste parce qu'il faut dépenser, quoi. L'arbre qui désactive, c'est la misère, ouais. Ouais, je sais, ça, c'est très chiant. Très très chiant. Il y a toujours la cata, hein. Bon, ça coûte très cher, mais il y a peut-être moyen de faire un massacre. Level up la glace. Je pense pas que ça vaille le coup. Ok,
Ok, ça passe. Avec la catapulte, ça passe. Donc, on va revenir vac 6 et on va... J'ai une lampe qui s'est éteinte, là. Ça va, la lampe? T'es morte? Elle est finito? Ah non mais c'est le câble qui s'était barré. Ok, c'est bon. C'est un insecte qui l'a désactivé. En vrai, il manque un, donc on aura ce qu'il faut. Superman. Yugi, merci pour les 38 mois. Merci beaucoup, Yugi. Nice. Ok. Arbalète niveau 2. Pam 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 pam. Et merci à Yugi pour les 38 mois, Benji pour les 20 mois de Prime, Dokju pour les 32 mois, Lissette pour les 16 mois de Prime et la 4 pour les 25 mois en T3 et Tanguyax pour les 23 mois. Voilà, j'ai relu tous les subs aujourd'hui, mais écoutez, chaque sub est très important, vous êtes des pierres angulaires. Est-ce qu'on va réussir à tous les tuer? L'archer t'as intérêt à le finir lui. Oh non. Non. Quel dommage. Un petit zigzag en haut, ah oui, pour que la catapulte tape un peu plus. Oui. Bonjour Lumi Luno. Moi je suis une pierre et encore. Mort. 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 Elle fait quoi la catapulte? Eh bien elle lance des boulets. Voilà, qui font des dégâts de zone. Vague suivante. Oh, il y a beaucoup de volants. Oh mais attends, mais je suis bien content d'avoir mis une catapulte. On va l'upgrade d'ailleurs. Oh. Putain, il faut plus d'archers. J'en reviens pas.
Il faut encore plus d'archers, on va les mettre au début. Ah mais attends... Ah oui, on a pris trop de place avec nos fermes. On pourra pas les faire passer par un autre chemin. Mais... ça ne nous empêche pas de mettre des archers ici. On commence déjà à faire le tri. On fait un pré-tri. Allez, balise niveau 3. Faut pas déconner. Oh les dégâts de la baliste. Cette vague, ça fait beaucoup de vagues, hein. Ouais. Vous voulez qu'on mette plus de fermes? On a déjà beaucoup de fermes. On peut pas en faire plus, en fait. Pas la place. Nanana. Vague suivante. Oh non, pas les insectes désactivateurs. Grosse catapulte. Oh non, ça c'est chiant ça. Ok, ok, ok. On va peut-être pas... c'est peut-être pas celle-là qu'il fallait upgrade. Okay, elle se fait désactiver, c'est chiant. Donc ce que je propose, c'est que celle-là, on l'upgrade pas. Et qu'on en mette une deuxième ici, que cette fois, on va upgrade. Une autre ici. Ah, je voulais te mettre des archers au début. Le con. Pourquoi vouloir à tout prix économiser pour avoir de la marge pour la suite? Voilà, comme ça, plus j'avance et plus j'ai de marge par la suite dans la suite de l'aventure. Et ça, ça fait plaisir. Là, je mets des balistes à l'avance parce que, bon, les balistes, hein, c'est toujours très efficace, c'est toujours très fort. Vague suivante, donc là, c'est les insectes de mort. Allez les balistes! Montrez-leur! Voilà! Vague suivante! C'est quoi le mieux contre les swarms violettes? C'est-à-dire ça là? Quoi les swarms? Ça, c'est les catapultes! En fait, parce qu'ils sont très nombreux, et comme ils sont très nombreux, c'est les catapultes. Les catapultes, c'est très fort contre eux. Mais bon, tu peux voir que les archers d'élite, ça marche aussi. Et les balistes aussi. Et bravo à tous. Et on a 334 de marge, même plus d'ailleurs, on a 424. Ouais, du ninja. Bon, j'ai le niveau 3, on peut se le permettre.
Et catapulte niveau... Allez, catapulte boostée, parce que c'est rigolo la catapulte niveau 3. Oh, personne ne passe, 518 gold. Oh, y a beaucoup de golems axe. On va mettre ça au début du coup. Comme ça on va commencer à les tabasser dès le début. Faudrait un peu de gel dans le coin. Même si là c'est pas nécessaire. Formégal et simple, je savais pas que ça voulait dire ça. J'apprends des mots, c'est bien. C'est cool. Oh, pardon, GG. Suivant. Oh, les chevaliers. Beaucoup de chevaliers là. Ça manque d'arbalète tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. On va rajouter des geleurs ici. Des arbalètes en plus. Parce qu'on n'a jamais assez d'arbalètes, écoutez. Ah mais j'ai fait une méga tour élite, je voulais pas l'archimage. Oh merde. Ah je fais une archimage. Oups. C'était pas voulu. Bon, c'est pas grave, je pense que ça passera quand même. Oupsi, l'archimage. On peut déjà prééliminer les insectes ici, vu qu'on sait qu'ils passent par là. Pourtant, tu as joué à StarCraft 2 pour la Zilan. Non, j'ai joué à StarCraft 1. J'ai jamais joué aux deux. Plus les maps sont grandes et plus c'est facile de gagner, j'ai l'impression. Effectivement, c'était vrai. Parce qu'en fait, plus j'ai de positions, plus j'ai d'emplacements pour mettre des tours. Et de créer de plus en plus de couloirs de la mort. Allez, niveau 15. Y'en a un qui passe! Et y a un petit connard qui passe là. Super. Bah super. Et là il va passer. Allez hop. T'as des champs qui font la moitié de l'écran. J'avoue que les champs c'est. Voilà, c'est ma spécialité dans ce jeu, c'est optimiser les champs. Et la vague finale, c'est parti!
C'est vrai qu'on aurait pu mettre un gel ici, hein, je pense, au début, ça aurait été incroyable. Oh non, il y a trop de golems, il va falloir acheter des arbalètes. Enfin, des balistes, plus de balistes. Oh là là, plus de balistes, hein. Bravo à tous. Oh, je dépense un peu. Les balises sont en max. Ouais, sauf celle-là. Mais c'est parce qu'il y avait des insectes. Oui. Mais là, j'ai vraiment over-dépensé. Ça servait à rien du tout. Et c'est gagné. Ma panne, il est GG. Allez, go next. Omer Greg, merci pour le prime. Festival GG à tous. On peut passer sur Canopé. Tu vas pas emporter ton argent dans le niveau suivant. Ça, c'est vrai. Par contre, là, on a la banque. Mécanique de la banque. Génère un intérêt de 20% sur les golds à la fin de chaque vague. Donc là, il faut économiser chaque vague. En plus, il y a les fermes. Waouh. Waouh. Il y a la banque et les fermes. Oh là là. A plus sur Mathéos. Oh putain. Il y a deux maps. Quelle est la première vague? Des volants comme d'hab, hein. Comme d'habitude. Bon. Bon, là, c'est un peu chiant parce que les volants, là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup en plus. Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ça doit se gérer avec archer niveau 3 par contre. Même peut-être 2. Là... Eux, ils font vraiment chier. Ça aussi, ça devrait être gérable. Par contre, avec des grosses vagues derrière... Et en plus, si celui il a passé là, les cons là... Bon après, il se heal au début, c'est pas très grave. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Kuriyuki, merci pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Alors si je fais ça, déjà il passe dans le sable. Joueur capillairement peu fourni, mais très talentueux bien sûr. Est-ce qu'on d'ailleurs on peut les faire remonter? Moi je pense qu'on peut les faire remonter. Ah c'est du gaspillage industriel ça. Parce que comme ça ici je mets l'archer d'élite, enfin, qui sera élite plus tard. Et c'est du gaspillage, c'est du gaspillage. Merci Plain, dis-nous pour le prime, merci beaucoup. Donc bah là il y a des quelques volants qui arrivent là. Lily, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci beaucoup Lily. Donc là les ennemis vont faire ça. Donc idéalement faudrait les faire zigzaguer comme ça là. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Faudrait leur faire faire un chemin un peu comme ça. Donc ça voudrait dire que ici on met des archers, ou là. Après, les volants ils vont passer par là, je crois.
Et là, c'est pareil. Oh non, ils vont passer par là. Pour passer en moyen. Je peux pas dire le contraire. Merci Torpal, merci pour le prime. Ok, bon. Ah mais oui, mais du coup, ils tapent eux, les cons, là. Ah, ça va être dur de faire de l'économie au début. Je viens de voir qu'il avait un trophée à 1000 pièces sur le niveau précédent. Ouais, je l'ai d'ailleurs. Et je l'ai. Ça, c'est pas une compétition. Le problème, c'est que j'ai pas envie de dépenser 50 pour les archers élites ici, quoi. En fait, surtout que je pense que... On peut dépenser moins, quand même, mais bon. Quoique, est-ce qu'on peut vraiment dépenser moins? Et si je mets archer niveau 2 là, ça suffit? Non, impossible. Archer niveau 2, ça suffit en bas. Ici. Aussi. C'est bon à savoir. Que là, on a peu dépensé. En tout cas, pour gérer les volants, c'est bon. Les bâtards, ils font le tour. Ok, il va falloir que je les place plutôt là. Bon, là, c'est clairement pas suffisant. Il va falloir un truc pour gérer les petits connards là qui passent ici. Et qui me coûtent pas une fortune. Alors ça pourrait être tout simplement le niveau 3, le niveau élite de ça. Hein. Mais c'est un peu du gaspillage. Et là il en faudrait peut-être 3. Ah, il y en a un qui passe quand même. Parce qu'il est pas très bien placé. Est-ce que niveau 3 ici il suffit? Oh non, il va se faire désactiver! Oh là là! Ah oui, ah oui, oh là là, oui, ok, y a un problème dans le plan là. Ok, je viens d'avoir une idée! Great idea! I got a great idea! I think I got a great idea! On est d'accord que les volants ils font par là et il y en a qui passent par là un peu. Si ça, je le mets en élite. Ah, ça va pas taper dans le sable. Ok. Dommage. Ah, c'est dommage parce que moi, je l'aurais bien mis là, finalement. Après, si je mets un archer élite ici. Il va pas cover... Non, mais je pense pas qu'il cover tous les volants, là. Pas du tout. Et chiant, on les place où? Bonne question. Très bonne question. C'est vrai qu'il faut prévoir les champs aussi. Je pense que les champs, on va les placer... Là,
Y'a pas beaucoup de champs. Pas idéal ici, je pense. Ou alors on les place. En fait, il faut de la diagonale. Les champs s'appliquent avant ou après les intérêts de la banque? Je ne sais pas. Parce que effectivement, c'est à la ouais, c'est à la fin de chaque vague, donc pareil pour les champs, donc on ne sait pas. We don't know. Ça c'est génial. Mais du coup, ça fait revoir pas mal de choses. Si on peut faire ça, c'est juste énorme en fait. Ça c'est énorme, ça c'est énorme. Après c'est bon, c'est un peu du gaspillage de faire tout ça juste pour un bloc de ferme, je pense. Que ça coûte... Ah, quoi que ça coûte que 2 en plus. Alors que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 2 tours par ferme, ce qui est exceptionnel en termes de rendement. Enfin, pas exactement 2, hein, mais... Mais c'est pas déconnant. Après, il y a les insectes de mort, par contre. Ah, mais oui, il y a les insectes. Et ça, c'est un souci. Et les insectes, ils font quoi? Ils font... Qu'est-ce qu'ils font, les insectes? En fait, attendez. Oh, on va regarder. En fait, on peut connaître le chemin des insectes à l'avance. Ah non, on connaît pas, parce que eux, ils font genre un truc chelou comme ça pour aller là-bas. Que font les insectes? Attendez, je vais mettre des tours au pif juste pour pas mourir. Que font les insectes? Évidemment, je place pas les tours comme ça. Hein. C'est juste que je veux connaître le chemin des insectos. Ah oui, ok. Ils font ça, puis ça, puis ça. Ok, juste, ok. Ok, ok. Donc s'ils font ça et qu'ils font ça, je pense qu'il y a quand même moyen... On est bon en fait. Du coup, on est bon. Ah non, parce que là, ils vont marcher là. On n'est pas tout à fait bon. Ah mais si, là c'est bon. Hop, il casse rien, il casse rien, il casse rien, il casse rien. Alors oui, on n'utilise pas le sable, c'est vrai. Et je pense que c'est un bait, le sable. Je pense que c'est un bait. Parce que si on est riche, on peut mettre 1 million de trucs et ça sera juste plus fort. Pourquoi ils décalent pas les fermes d'un bloc à gauche? Parce que ça va bloquer le chemin. Ah oui, tu veux dire que les ennemis vont passer ici quand même? Ah, attendez, tu as peut-être raison. Ah oui, c'est malin ça. Malinx le lynx.
Malinx. Très malinx. Très malinx. Ok. Il faut aller encore plus à gauche. Non. En fait, après, ça devient trop cher pour ce que c'est. En fait, on est obligé de dépenser 3 pour une ferme de plus. Ce qui, du coup, n'est pas rentable. Les insectoïdes vont niquer les cultures. Non, parce qu'ils font ça. Bonjour, je suis un insecte. Je fais ça comme chemin. Voilà. Dépense que 2 pour une ferme en plus. Non. Regardez, il faut faire 1, 2, 3. Et là, ça va bloquer, là. Attends. Ça va bloquer ici, non? Ça va pas bloquer ici? Est-ce que c'est un intérêt vraiment de le décaler encore à gauche, en fait? Surtout. Attends, on peut décaler tout, là? Ça passerait? On va pas être bloqué. Ah non, on va pas être bloqué. Ah non, on peut décaler, peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à décaler? Il y a un intérêt à décaler. Ah, on peut gratter des fermes en plus. En faisant ça. Ah, c'est pas mal. Ok, oui, on a des grands champs. On a vraiment des champs de fous. Après, le problème de ça, c'est que bon, bah là, on peut plus trop les faire se balader ici. Mais on peut imaginer avoir des champs encore plus grands. Ouais, j'ai la dingue! Oh, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux à long terme. Il y a que 11 rounds. Oh, ouais, bon, on aura peut-être pas le temps de faire tout ça, mais... si on arrive à faire ça en ferme, par contre... je peux plus défendre. Quoi faire? C'est moi qui a zéro défense, là. Ou alors, on peut juste faire... basiquement ça. C'est déjà pas mal. Ah oui non, parce que en fait on pourra pas les faire passer dans ce couloir là. Tu veux de la défense dans le sable, ça reste trop gros. C'est vrai que là, il y a zéro défense dans le sable. Alors que là... là, il n'y a pas de défense dans le sable non plus. Après, est-ce que c'est très grave? Je pense pas, parce que plus on est riche et plus on pourra mettre de trucs niveau max partout et on s'en foutra du sable. Ah mais c'est vrai que là on peut même pas remonter en fait. Ouais, c'est un peu embêtant quand même. C'est un peu embêtant. Et l'idée c'est de le faire remonter à terme. TG et retire-moi cette casquette bordel. Toi TG, hop là. Toi TG. J'en passe là, tac tac tac, et elle fait le tour. Ok, après faut qu'on garde des sous.
Les fermes, on les fera plus tard. C'est juste que là, pour l'instant, on a imaginé où elles étaient. Donc, maintenant qu'on sait qu'il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, tac, 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 donc il faut rien construire ici. Ici, donc, où est-ce qu'on met nos archers d'élite? Là, c'est un peu du gaspillage, mais en même temps, il y aura les fermes au-dessus, donc j'aurais pas trop le choix. Après, peut-être pas besoin de élite. Et on peut déjà commencer à préplacer les bâtiments des fermes, donc ça sera ça, ça, ça. Et là, on remonte là. Et bonjour prof Lucier. Là il y a la catapulte. Coûte cher la catapulte, ça coûte cher. Bon, ce niveau, tout se joue encore une fois sur la vague 1 et 2, et après je pense que ça va dérouler, c'est toujours pareil. On passe beaucoup de temps sur la vague 1. Et après, ça sera easy peasy. Maintenant, est-ce que je les mets là? Est-ce que je les mets plutôt là? Non, ils vont passer en bas en fait. Il y en a qui passent en bas. Je crois qu'il y en a qui vont genre. Et après, ils passent en bas. Ces petits bâtards. Oh, il y a ça aussi, là. Oh. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il se faisait désactiver, j'avais oublié. J'avais oublié. Yeah. J'avais complètement oublié. Alors. J'oublie à chaque fois ce que je fais là. Ça c'est bon. Et ici, c'est là où on a des problèmes. C'est le poison qui one-shot les insectes. Ça les one-shot pas, mais disons que ça les met plutôt mal. Après, il y a les ceux en armure derrière qui vont vraiment être très relous. Peut-être qu'il va falloir de l'archer élite ici. En vrai de vrai. Mais là, je dépense beaucoup.
Ça peut passer, ça. Eux vont être relous, mais ça peut passer. Ok. On va ralentir un peu le temps. Est-ce que eux on les tue ou est-ce qu'on les tue pas? On les tue peut-être pas. Ah, pas grand chose honnêtement. Avec un petit gel, je pense. Un petit gel en plus et c'est game. Un petit gel en plus et c'est game over. Est-ce que j'ai vraiment besoin du coup de bloquer ici? Pas sûr au début. Là, archer niveau 3. On peut bloquer comme ça pour l'instant. Il faudra un petit gel quelque part. Je pense que le gel est là. Est-ce qu'il y a moyen de faire nos fermes là? Là je pense que ça gagne. Donc là on va mettre au ralenti. Est-ce qu'on fait nos fermes maintenant ou est-ce qu'on... En fait là on peut faire combien de fermes? On a... 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait cher 40. Donc c'est 40 et après c'est 15 fois... Ouais, ça va être beaucoup trop cher. Donc on peut commencer... avec ça, je pense. Non, attendez, j'ai mal compté. Très mal compté. On peut clairement pas. Il faut qu'on fasse moins grand. C'est à quel niveau? Le niveau 24. Mais par contre, c'était exceptionnel cette défense, non? On est d'accord. On est d'accord que ce que j'ai fait là, c'était vraiment cool. C'était vraiment stylé. Deux ici, trois ici. Élite là. Gel là. Attendre le bénéfice de la banque. Est-ce qu'on attend le bénéfice de la banque? Peut-être. Peut-être qu'on fait pas les fermes au premier round. En fait, c'est perturbant, c'est frustrant d'avoir les deux. Ouais, du coup, ça rapporte un petit peu, effectivement. Mais je sais pas, est-ce que les fermes auraient rapporté plus? Peut-être pas, mais sur le long terme, ça aurait été peut-être plus rentable. Bon, c'est quoi la prochaine vague, en tout cas?
Ah, c'est que ça. Ah mais attends, mais on va pouvoir se régaler en ferme là. Bon, eux, il n'y a pas grand chose à faire pour que ça passe, il fait juste que ça, je le passe niveau 3. Ça, avec le gel, il y a moyen que ça suffise. Il faut quand même rallonger la route, ok. Il faut rallonger un petit peu la route. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. E niveau 2 à la limite. Mais je pense qu'on est bien là. On va déjà voir si le niveau 1 il passe. Et donc ça c'est bien ça. Bon, peut-être un gel niveau 2 quand même. Ouais, gel niveau 2. Gel niveau 2, mais sinon on est bon. Donc si on fait ça niveau 3, gel niveau 2, on remonte ici. Désolé, j'ai ma caméra qui est pas spécialement bien placée, je vous montre ce que j'ai fait. Vous voyez, donc là, on fait ça, donc niveau 2, donc là ils vont remonter, ils vont passer dans le sable, ça va être exceptionnel. Ouais. En fait, mettre ma grosse tête, ça va être chiant dans tous les cas. La moindre bestiole qui passe, c'est perdu. En tout cas, si tu veux perfect, oui. Mais après, t'es pas obligé de jouer le jeu en perfect, hein, même si je le recommande. Ici, on va faire quelques fermes. Et bien, moi, je pense que les fermes trigger avant. Ça va nous rapporter un peu d'argent, quand même, la vague. On est à combien à la fin de la vague? Faut qu'on calcule ça. Milieu haut. Salut, je suis là. On a 156 si on a la banque. Très bien. C'était où? Je sais pas. C'est bizarre. Bisboul, merci pour les prime. Merci beaucoup. Bon. Donc ça. Ça. Et ça. Maintenant les fermes. Est-ce que j'aurai assez pour finir mes fermes? C'est pas sûr. Hein? Quoi? Mais... Pourquoi il est passé cette fois? Une blague. Mais le jeu, il est pas du tout déterministe. Je vais péter mon crâne. Ah oui, pardon, non, si, il est déterministe. C'est enfin non, ça dépend de la puissance du PC. C'est parce que j'ai changé le pathing. C'est pour ça. Juste pour un petit changement de pathing. Voilà, faut attendre qu'il passe, voilà. Ma faute, je me suis énervé, je me suis emporté pour rien. C'est bon, vous inquiétez pas. Juste que j'ai même pas fait attention que je bloquais le chemin en fait.
Salut pour ceux qui ont joué, en termes de durée de vie, on est à combien? Merci. Apparemment, c'est 30 heures si tu veux finir le jeu normalement. Bah là, j'aurais pas les sous là. Il manque. Il manque combien? Oh, ouais, c'est un. Ah, il manque pas grand chose, mais il manque quand même. En vrai, si, il manque quand même beaucoup. Peut avoir. Ah, parce que là, c'est un peu du gaspillage de faire ça ici. Hmm. Manque 18. 18 que je peux pas aller chercher, quoi. À moins qu'on ait pas besoin du gel niveau 2. Attendez, est-ce qu'on a besoin du gel niveau 2? Ah merde, j'ai changé le puffing. Faut que je change le puffing tout de suite. Oui, tu as besoin du gel niveau 2. Je pense aussi, mais bon. Mais on verra vérifier. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 archers ici alors qu'il faudrait juste rallonger le chemin? Non, rallonger le chemin ne changerait rien. Il semblerait que le gel niveau 2 soit nécessaire. Bon, on va pas pouvoir faire des grosses fermes, tant pis. On va devoir faire un peu moins. Ou alors, on fait pas les fermes tout de suite. Et on les fait au prochain tour. Bon, ça fait encore délai, malheureusement. Et plus on les aura tôt, mieux ce sera. On peut peut-être commencer à en faire un petit peu, des petites. On commence par en faire deux. Tu gagnes pas plus à Echo? Non, en fait, je vais gagner combien avec 100? Ouais, je vais peut-être gagner 20 et là, je gagne 20 aussi. Sauf qu'on a des fermes, donc en vrai, les fermes c'est broken. En fait, plus les fermes, ils vont, en fait, ça va être rentable sur le long terme. Ah, des insectes très gênes. C'est-à-dire qu'il faut du poison. J'aurais peut-être mis à la fin le poison, en fait. Ta-ta-ta. Oh non, il y a du golem axe. C'est-à-dire qu'il faut de l'arbalète aussi. Après, est-ce que juste le poison et mon arche de base suffisent? Quand même tanky le golem doré, hein. Ouais, je pense pas. Oui, bon, il faut une baliste. Il faut une baliste, et puis voilà. Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin du poison?
J'ai l'impression qu'ici elle est pas ouf cette baliste. Est-ce que je la mettrais pas avant? Genre là. Elle a pareil, c'est pas ouf non plus. Mais là on profite du sable et du gel. Il faut économiser, donc on peut pas trop se permettre d'aller mettre des trucs partout. Et là on va se faire des hacks. Ouais, j'ai pas trop le choix. Hein. Ah, il faut le poison en plus. Ok, il faut les deux. Poison nécessaire, je pense, oui. Alors, on pourrait peut-être le mettre au-dessus. Et pas à la fin. Je sais pas encore. On verra. C'est long. C'est long. Cette poison là aurait été mieux. Voilà, tcha 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 tcha. Parce que là on perd un peu de portée. C'est vrai qu'on perd de la portée. Donc je pense qu'il faut le mettre au-dessus. Après la baliste, en vrai elle serait bien là, mais elle va se faire désactiver. Quoique, les insectes sont pas censés arriver ici. Parce qu'elle serait tellement bien placée là, mais elle se ferait des hacks. Mais si on arrive à tuer tous les insectes avant, elle se fera pas des hacks. Mais j'ai peur qu'elle se fasse désactiver quand même à un moment donné. Et ça, vraiment c'est ce que je ne souhaite pas. Et celle-là touche quand même dans les deux dans le sable. Bon. Non, elle sera mieux ici. On prend pas de risque. No risk. No risk Tekken. Les fléchettes vont pas se faire désactiver? Non, elles peuvent pas. C'est le seul bâtiment qui peut pas être désactivé. Là, la question, est-ce que avec ce golem, j'aurais pu faire plus de fermes? Pas sûr. En fait, on va le tuer, mais... En fait, est-ce que j'ai le temps en ralenti de faire les fermes? En vrai, ouais, je pense. Hein. Faut juste setup à l'avance. Mais je sais pas combien. Enfin, j'ai peut-être trop dépensé déjà là. Voiture pour les APM, va falloir aller vite. Va falloir être rapide. Les intérêts de la banque sont pas plus rentables que les nouvelles fermes. Non, non, les fermes c'est broken. En fait, les fermes c'est. Quand on commence à en avoir vraiment beaucoup, c'est huge. Et surtout, ça va cumuler, ça va faire ferme plus banque. Voilà, voilà, va falloir être véloce. On n'y est pas encore, c'est quand il va être le HP. Ok, on se prépare. J'ai pas vu si ça a fonctionné. Je crois que ça a pas marché, non? Ça a pas proc, hein. Sinon j'aurais eu beaucoup plus d'argent, là. Ah! Est-ce que j'ai le temps d'en mettre une au moins? En fait, j'ai pas le temps, non? Est-ce que c'est parce que j'étais trop lent ou est-ce que c'est parce qu'en vrai c'est impossible? Ah,
Jamais mon prix, mais je retourne bosser. Bonne journée. Bonne journée, Yators. Merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. Je pense que c'est pas possible, hein. C'est possible. Ah ouais? Peut-être qu'on n'a pas besoin des fléchettes poison. Je sais pas. Faut voir. Est-ce qu'on a de la marge pour la fin? Le poison est quand même fort, j'ai l'impression. Oh non, ça se fait désactiver. On a besoin du poison. T'en as besoin du poison quand même. Après, est-ce qu'on met la baliste? Non, ou alors il faut juste que je sois plus rapide au niveau des APM, c'est tout. Compliqué, mais... Ou pas une baliste, alors? Et si on met pas une baliste, on met... Après, comment on va le tuer, ce putain de golem? Arba. Après, l'arbre, on le met où? Là. Arba niveau 2. J'ai oublié de vendre! Oh, le bouffe. Après, on aurait pu checker que ça marchait ou pas, mais... Là, je pense que c'est poison niveau 3. Arba en bas. On profitera pas de la glace et du sable. C'est vrai, mais on profite du fait qu'il fait le tour et qu'il est lent de base. Qu'est-ce que ça va le faire? Putain, Arba, ça fait vraiment zéro dégâts. C'est de la merde, l'Arba, hein. Ah, l'Arba, c'est vraiment à chier. Après, ça fait que si on la met niveau 3, on aura peut-être le temps de placer le bâtiment. Allez, on y retourne. Merde, mais qui t'a demandé de placer ça? Personne. Personne. L'arbre envoie le poison pour péter l'armure. Ah, vous voulez que je la mette là? Je trouve que c'est pas rentable ici, mais... Parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre une baliste ici plus tard. En fait, c'est ça le truc. Mais là, j'aurais pas le temps de placer les fermes, en fait. En fait, ça revient au même que tout à l'heure. Ça revient au même que tout à l'heure, mais en moins bien. Non, mais faut juste que je mette là. Et faut que je mette la baliste et que j'ai les APM, c'est tout. En fait, ça revient au même. Dans tous les cas, faut que je place deux trucs ici, rapidos.
en placer 3. J'ai pas réussi 2, alors 3, va falloir que je sois vraiment très rapide. On va reprendre la strat de tout à l'heure qui marchait bien. Tu vas faire Arba Elite. Ah bon? Ah, j'ai fait Arba Elite le niveau 3, c'est ça? Ah. Mais si vous dites que je peux... Si vous dites que je peux... On peut réessayer les APM, ce qui est un peu plus stylé quand même. Ah merde, j'ai pas mis le truc dans le bon sens. Merde, j'aurais pas le poison tout de suite. Oh l'erreur. Mais je pense que ça va le faire quand même. Donc faudra mettre au ralenti et placer ça très vite. Ok, c'est bon. Putain, ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire. Allez, niveau suivant. Stonks. Cet escroc. Comment ça, l'escroquerie? Non, y a pas d'escroquerie ici. Je crois qu'ici il va falloir aller chercher de l'élite. Les dévanceurs, non, je pense que c'est prévu, c'est totalement prévu ce que je viens de faire. Arrêtez. Là, on commence à avoir vraiment beaucoup de sous-sous. Bon, ça a l'air de pas passer en... Ça passe pas ici. Est-ce que ça passerait là? Est-ce que ça passe de ce côté? Je pense que de ce côté-là, ça passe easy. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste ce côté-là qu'il faut améliorer. Alors c'est vrai qu'il y a un niveau où il demande de mettre slow motion pour faire un truc comme ça, mais pas aussi tendu. C'est vraiment juste pour... Parce que t'as 5 mobs qui restent, et du coup c'est de faire l'upgrade avant les 5 mobs qui meurent. Mais là c'est différent, c'est avant... Parce que le mob il meurt, le dernier mob meurt, et c'est entre le moment où le mob meurt et les fermes poussent. C'est vraiment pas la même chose. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus close. Après on peut mettre double archer élite. Après, juste de la glace, ça passait, je pense. Et surtout, faudrait qu'on finisse nos fermes. Et j'ai envie de voir si ça, ça passe comme ça, déjà. Ah, vous voulez que j'utilise ça? Est-ce que ça faisait vraiment gagner un? En vrai, oui, c'est vrai que ça faisait gagner une case de plus. En fait, c'est parce que je me suis trompé de base. Non, attends. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, mais c'est trop tard, attends.
En fait, j'aurais dû le faire tout à l'heure, ça, mais... Mais c'est vrai que dans l'idée... Que c'est vraiment intéressant, oui, c'est toujours une case de ferme en plus. Attends, mais ça passait là. Ah non, il fallait doubler l'élite, c'est vrai. J'ai déconné. Et je pense que c'est bon quand même. Bon là on va se régaler avec toutes nos fermes. Bravo! Vague suivante! Oh là là, moi je vois bien de la catapulte là, mais... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien à faire et c'est bon. Pour cette vague-là en tout cas. C'est trop petit, c'est trop petit. Ça y est, on a cassé le jeu. On a cassé le niveau. Le niveau est cassé, GG à tous. Une ferme en haut à droite, c'est vraiment nécessaire. Pas sûr. Bon, je pense qu'il nous faut de l'arbalète niveau 3 là. Mais le gros insecte, je pense même qu'il faille plus que une arbalète niveau 3. Hein. Ah putain, mais il lui marche dessus. Ah, ça fait quand même désactiver cette baliste. Bon, il faut plus de balistes. D'ailleurs, je me demande, est-ce que... Non, on va les mettre par là, je pense, les balistes. Pas ici. Voilà, ça touchera un petit peu. Le gros insecte. Gros insecte qui va faire ça. Mais bon, après l'insecte, lui, il va passer, c'est pas très grave. Nous, comment on veut faire notre chemin? Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je fais? Au-dessus du gel. Bah le truc c'est que il faut quand même leur faire... S'il y a des poulpes, c'est mieux comme ça. Et je sais pas s'il y a des poulpes. Donc si jamais il y a des poulpes, on sera mieux dans cette situation-là. Il y aura sûrement des poulpes, ils adorent mettre des poulpes. À tous les niveaux. Non mais sinon... En vrai, on est tellement bien que je peux juste m'en foutre. Celle-là est overkill du coup.
Donc je pourrais même mettre du gel là. Même pas sûr de le tuer là. Ah, en fait il se fait pas taper assez longtemps par cette baliste. Cette baliste est mal placée. Il faut limite mettre plus de grosses balistes au début. C'est un bon jour. Voilà. Voilà comme ça hein. Il a trop d'HP le mini-boss, ouais il est chiant. Lassous, merci pour le 9e mois. Merci beaucoup. Là je pense qu'on va l'allumer. Les PV du monstre. La vache. Hop. Suivante. Ah, les poulpes, tiens. C'est du Praxiteam. Ah, de revoir la catapulte élite, c'est vrai qu'on l'a. D'ailleurs, on va pas tarder à l'utiliser, je pense. Ouais, on va l'utiliser pour ici. Fan de catapulte ? Êtes-vous là ? Ces araignées énormes, elles créent des insectes ninja, mais c'est vrai qu'ils sont dégueulasses. Qu'est-ce qu'on fait, les selles de feu? Ah, les selles de feu, j'adore. Le taf que ça fait. Oh oui. En vrai, c'est exactement ce qu'il fallait. Bon, alors eux, ils ont aucune chance de passer. Bonne chance à eux. Hop là. Il y a des dragons. Il va falloir de l'anti-aérien, malheureusement. Qu'on pourra placer ici. Il va falloir de l'arbalète quand même dans cette zone. Suivant. J'aurais mis à droite les champs de cases au-dessus des archers. Peu importe. Ça change rien. Oh, il y a beaucoup de dragons, on va devoir regretter ça. On a passé niveau 2. Peut-être niveau 3 alors. Ah, surtout qu'il y a le violet. Bon bah niveau 4, c'est bon. Ah non, on n'a pas. On n'a pas le niveau 4. Oh, ils font chier hein. Bah niveau 3 direct alors.
Il faut que je rajoute des balistes. Enfin, des balistes, des anti-aériens là. Faut pas être content. Et bah, je suis pas content. Après, on n'est pas obligé de les mettre à la fin. On peut le mettre genre là. Ah non, mais on va se faire désactiver, je crois, par contre. Ils peuvent se faire désactiver, c'est un peu le souci. Non, mais il faut les mettre à la fin dans ce cas-là. Niveau 3 et niveau 1, c'est bon ou pas? Pardon. Il était en bas à droite, à 3 cases de gauche du sable, c'est l'anti-aérien. Ça, c'est l'anti-aérien, ça, ouais. Non, mais il faut plus encore. Oh, mais putain, il faut niveau 2 direct. Surtout, en fait, elle est où la poison? Pourquoi on n'a pas la poison? Pourquoi tu n'utilises pas les archimages? C'est trop nul à chier, ça sert à rien, ça ralentit, ça fait pas de dégâts. Et ça les ralentit pas très longtemps, donc bon. C'est très très cher pour ce que ça fait. Quand même. Vague 10! La portée de la cata. Et en plus ils sont résistants au gel, donc en fait c'est encore pire. Ah, ça va peut-être pas passer ici, il va falloir plus d'arbalètes. Ouais. Il faut un peu plus d'arbalètes en bas. Double dégâts des tours autour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. On n'a jamais vu de baliste élite, hein, pas encore. J'ai hâte. Oh. Vu comment c'est pété déjà pour l'instant, il y a vraiment pas besoin de balistes élites. Oh, il y aura certainement vers la fin. Et le dernier, la dernière vague. Oh! LOL. Non, pas vague 10, je voulais revenir vague 11. Oh.
Faut se refaire cette vague, elle est lente en plus. Magellite. Vous voulez qu'on tente le Magellite? Après c'est les tours autour, mais c'est genre les tours adjacentes. Comment ça se passe? Bonjour Vincent. Pourquoi tu bourres pas? Parce que j'aime bien voir à l'avance et optimiser même la dernière vague, même si c'est gratis. Après il suffit juste de... En fait c'est ultra simple, il suffit juste de faire ça. Non. En diagonale, c'est encore mieux. On peut pas faire diagonale. Bon. Et on met des balistes. Et c'est imperdable en fait. Voilà. Ouais, bon, bah écoutez, hein, j'ai utilisé un canon pour tuer une mouche. Let's go! Bonus 4. Il est long, alors, question. Parce qu'en fait, j'ai une OP à 11h. Est-ce que, vu qu'il est 37, est-ce qu'il y a un niveau rapide ou ils sont vraiment longs ces niveaux? Et dans ce cas-là, vaut mieux faire l'OP maintenant. Comment ça se passe? Alors c'est une OP sur un Tower Defense aussi d'ailleurs. En 23 minutes t'auras jamais le temps. Ouais je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est chaud hein. Je pense que c'est chaud niveau timing. Je pense que c'est chaud as hot. Ouais, en plus, je pense que la map 25, ça a l'air long. Ah, c'est une titan en plus! Ah ouais, non, c'est trop long. Et les bonus sont durs aussi, je crois.